Salut, c'est Galfi. Donc aujourd'hui, c'est la suite de la vidéo « Peut-on faire chanter une intelligence artificielle ?» publiée la semaine dernière. Je te conseille de regarder la vidéo de la partie 1 si tu ne l'as pas fait, pour comprendre le processus mis en œuvre pour récupérer une voix acceptable générée par l'intelligence artificielle. Alors, dans cette vidéo, je te propose d'abord d'essayer d'améliorer le résultat de la précédente vidéo en utilisant le Vocal Chain de Cubase 13, mais je vais aussi te montrer des alternatives si tu n'as pas Cubase 13 ou si tu n'as pas le Vocal Chain, en utilisant plusieurs types d'effets qui sont déjà dans Cubase. Avant de commencer, j'aimerais revenir sur 2-3 choses suite aux nombreux commentaires sur la première vidéo. Le but, c'était de partager une expérience. Cette expérience, elle a également l'avantage de me fournir des parties vocales pour tester les outils Cubase dédiés à la voix. C'est un truc que j'ai pas fait jusqu'à présent par manque de chant, j'avais pas tout simplement le matériel nécessaire pour pouvoir le faire. J'aurais pu utiliser les samples du rack de médias. Je t'ai parlé du rack de médias dans une précédente vidéo. Le seul problème, c'est que ce sont des samples justement qui sont déjà optimisés. Ce qui veut dire que si je les utilisais, ça serait les suroptimiser, ce qui n'a absolument aucun intérêt. Je ne fais pas non plus l'apologie de l'intelligence artificielle, je la considère comme ce qu'elle est, à savoir un outil. C'est un palliatif et ça me permet d'avancer sur des projets plutôt que de les laisser en plan en attendant d'avoir trouvé quelqu'un un jour pour le chant. Allez, c'est parti pour la suite. Je vais commencer par répondre à des questions qui m'ont été posées en commentaire, à savoir, première chose, est-ce que l'intelligence artificielle peut chanter les paroles que j'ai écrites? Ben oui, je t'avais montré dans la première vidéo qu'on pouvait remplacer les paroles. Donc, on va prendre celui-là, remix, et ici, tu peux modifier tes paroles pour entrer absolument ce que tu veux. Voilà, et après, bah, il suffit de cliquer sur Create, et donc l'intelligence artificielle va te sortir 2 exemples avec les paroles que je viens de taper. Donc la chanson de départ, c'était ça. Et la nouvelle version avec les paroles que j'ai écrites. Voilà, seconde question, c'était est-ce que cette intelligence artificielle peut chanter en français? Eh ben oui. Donc je vais te montrer un exemple. On va tout simplement créer une nouvelle chanson. Je vais utiliser les paroles d'un titre d'un de mes anciens groupes. Le groupe s'appelait PKN 907, c'était dans les années 90. Si tu veux écouter la compo d'origine, je te mets aussi un lien en description. Y'a à toi de jouer. J'ai misé sur ta vie. Quelques menus bricoles entassés les paris. Dansons la Carmagnole. Jouer à toi de jouer. J'ai misé sur ta vie. Quelques menus bricoles entassés les paris. Dansons la Carmagnole. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de voir, cette fois-ci, c'est est-ce qu'on peut améliorer la voix. Donc pour ça, on va utiliser le plugin Vocal Chain qui est fourni avec Cubase 13. Tu vois qu'il y a 3 sections, Clean, Character and Send. Dans chaque section, tu as différents modules. Alors, la première chose à savoir, c'est que dans chaque section, tu peux modifier l'ordre des modules, simplement en cliquant dessus et en le déplaçant. Ensuite, ce qu'on va faire, on va commencer par ajuster le gain. On veut qu'il reste dans la partie verte, ici. Donc pour ça, j'ai préparé une boucle. Alors, si tu veux une alternative, bah, tu peux très bien utiliser les traitements audio, que ce soit en Direct Offline Processing, donc les traitements audio hors ligne, ou les processus ici, tu as le gain. Si tu veux en savoir plus sur les processus en ligne et hors ligne, j'ai fait également des vidéos sur le sujet, et tu trouveras aussi les liens en description. Quand tu choisis un module, pour l'activer, ça se passe ici. Donc là, j'ai activé le Cut Filter, et tu peux le mettre en solo, ce qui est utile quand tu en as plusieurs d'activés.
Donc le cut filter ici, ça va atténuer les fréquences situées sous la limite des basses fréquences qu'on va définir ici, et au-dessus de la limite des hautes fréquences qu'on définit ici. Donc tu peux ajuster ces limites comme tu le souhaites, soit en double-cliquant sur le chiffre et en entrant le chiffre que tu veux, soit en utilisant le potard. Et tu peux également ici définir la limite en décibels. On va laisser ici à 24 décibels. Alors là, si tu veux une alternative, tu peux utiliser un equalizer comme le Frequency Equalizer qui va te permettre de voir aussi la courbe de la voix et de jouer sur l'amplitude des fréquences. Alors ensuite, tu as un gate qui réduit au silence le signal sous un certain seuil, qu'on appelle le threshold ici. Ça peut par exemple réduire les bruits involontaires comme la respiration par exemple. Problème, j'en aurais pas besoin parce que la voix est artificielle, donc il n'y a pas de respiration tout bêtement. Là aussi, tu as une alternative dans Dynamics. Et tu as un gate ici. Donc le module suivant, c'est une correction du pitch. Alors là encore, je ne vais pas en avoir l'utilité parce que comme je te l'ai montré dans la première vidéo, justement, j'ai recalé la voix sur les gammes et accords que j'utilisais dans ma compo. Du coup, la voix tout le temps juste en fait. Pour compenser ça, si tu n'as pas le vocal chain, tu peux très bien soit utiliser le pitch shift dans les traitements audio, soit encore aller dans les effets et utiliser le pitch correct ici. J'ai pas encore fait de vidéo sur le pitch correct, je ferai ça de ces jours. Ici, tu as un déesseur, donc ça vise à diminuer l'impact des consonnes sifflantes comme le S ou le F. Donc tu peux désactiver l'auto ici et ajuster les fréquences en déplaçant ces barres verticales. Et à titre informatif, tu as également un DSR dans Dynamics. Ensuite, tu as un filtre dynamique. Alors, le filtre dynamique, le but c'est d'atténuer le genre de résonance grave que tu peux avoir en chantant trop près du micro. On commence en fait ici par définir les fréquences, et on baisse ensuite le threshold, donc le seuil. Donc là, on va définir les fréquences dans un premier temps. Donc si tu n'as pas le vocal chain, tu peux le remplacer par un equalizer ou bien tu peux aller explorer la section filters ici. Alors après, tu as la compression. Tu as le choix entre plusieurs compresseurs, dont le VoxComp, dont je n'ai pas encore parlé, et le Black Valve, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Donc ben, en fait, ça va permettre de compresser la voix. Là encore, dans les effets de Cubase, tu as plusieurs compresseurs, le record limiter, le compresseur, etc., etc. Je t'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo sur la compression. Et enfin, ici, tu as l'equalizer, qui va te laisser le choix entre le Studio EQ, qui est présent par défaut sur Cubase depuis la version 12 au moins, et les deux nouveaux qui sont le P1A et le M5, que je n'ai pas encore testé. Il y a plusieurs equalizers par défaut dans Cubase, donc tu peux très bien utiliser un des autres equalizers. Tu vas simplement dans la section equalizer. Love
so wide. Gotta get away from the demon side. Not fast on a highway so wide. Gotta get away from the demon side. Not fast on a highway so wide. Gotta get away from the demon side. Not fast on a highway so wide. Alors ensuite, tu as la section character. Donc l'accélérateur, ça permet d'ajouter des harmoniques et d'augmenter la clarté et l'intelligibilité de la voix. J'ai pas trouvé d'effet équivalent dans ceux de Cubase, mais il doit être possible de le remplacer par un ou plusieurs equalizers et un compresseur en théorie. Après, tu as le Saturator qui est un effet donc de saturation. Alors là, tu n'as que l'embarras du choix dans Distorsion. Tu peux choisir entre trois types de distorsion. Si tu actives le filter bank, ça va te permettre de choisir l'intervalle de fréquence sur lequel va s'exercer l'effet. Tu as ensuite encore de la compression, un second filtre dynamique, un autre equalizer et un second DSR pour affiner les réglages. Donc là, je ne reviens pas dessus, on a déjà vu ça dans la section précédente. La dernière section, c'est le send. Alors, le send, il comporte un imager qui va te permettre de jouer sur la spatialisation de la voix en augmentant ou en réduisant la profondeur de l'effet stéréo. Tu peux le retrouver dans les effets ici, dans Spatial Plus Panel. Tu as un imager ici. Et il m'apparaît, à vrai dire, plus complet que celui qui est présenté dans le Vocal Chain. Puisque sur l'imager que tu as dans les effets, tu peux agir par bande de fréquence. Le module suivant, c'est un delay. Là encore, tu as plusieurs types de delay, le mono, stéréo et ping-pong, que tu retrouves aussi dans la collection de delay. Tu as mono, stéréo et ping-pong. Même chose pour la reverb, que tu vas pouvoir retrouver dans la section reverb. Donc tu as ambiance, bright, dark, warm, ça c'est plutôt, en fait, j'en avais parlé dans la vidéo sur la reverb. C'est plutôt dans Roomworks qu'il y a ce genre de paramètres. Tu retrouves le paramètre Filter Bank qui te permet de travailler sur des bandes de fréquences différentes, sur des sections de fréquences différentes. Voilà, donc en fait, le gros intérêt du Vocal Chain, c'est évidemment d'avoir tous ces effets regroupés au même endroit, plutôt que de devoir construire ton propre chaînage. Alors au final, est-ce qu'on a réussi à améliorer la voix initiale? On va faire la comparaison avant-après. Bon, pour moi, c'est pas flagrant, mais en même temps, c'est pas une vraie voix, puisque c'est une voix issue de l'intelligence artificielle. Si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite pas à laisser un commentaire. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.